la gloire de Dieu et le salut des hommes pour que nous atteignions. Oui, et pendant ce liturgie, et monseigneur, il y a des monde, des fidèles catholiques, même parler avec eux surtout, qui vraiment nostalgie en certaine époque dans l'église, comme quoi ils senti véritablement et gon parle dit déchéance na façon mais ce qu'on a dit na époque pas pas oublier gen na yo qui pas prête qui pas arrivé faire aller qui était rêvé là dedans mais qui connaît tout processus yo. Ça veut dire les gon bagay qui a mal passé yo qui a juste senti ça yo qui a senti vide là et moi même arrivé jusqu'à moi. Donc mon content arrivé ça mais comment ça c'est pas essence pas défaut professionnel ou gata ou te gata au fait étude là qui vient faire que au bon sens qui puis pousser pour aller vers là pour que ça c'est le premier objectif ou ben pense ça au plus sensible avec là c'est le premier objectif ou ça qui touche ou ça on connaît voilà ça on gagne compétence ou lia c'est normal c'est le premier toucher ou parce que mais c'est pas des cas que tant que moi-même on parle de ça avec moi que des monde yoté qui les a dit merci qui fait rêver qui fait voyager monde yoté vient te senti il a perdu ça dans l'église et en cette sens et pas son ça qui est arrivé dans les oreilles gain ça au tout mais moi-même sans, depuis avant mal étudier c'est ça fait me penser feu monseigneur Mio qui fut l'archevêque de Port-au-Prince t'es voué mal étudié parce que l'été ouais t'es remis liturgie et t'es remis les on bagarre fait dans l'église faut le faire bien pas remis pour ça c'est sensibilité pas remis pour ma fond messe pour toute bagarre fait n'importe qui gens par contre ça pas le fait mon nuit a fait bah n'importe qui gens ils ont monté n'importe qui gens ils ont parlé non comprend parce que tout ce qui se fait pour la gloire de Dieu il faut respecter une éthique de ce culte là. Hein, faut qu'on éthique là-dedans, faut qu'on façon pour le faire, faut et puis qu'on marketing dans bagarre là tout. J'avais dit regardez me venir là dans studio, hein. Si m'étais jeune studio non état qui pas agréable. Quand même si malon l'autre côté m'étais dit préfère aller l'autre côté plutôt. J'avais dit si mon n'a venir la messe, gon certain marketing qui fait pour mon n'a senti l'environ là. Oui. Pour que c'est pas l'autre côté le choisi pour l'aller. Donc tout ça yo entré dans façon pour faire mon nan vivre les deux buts de la liturgie qui c'est la gloire de Dieu et le salut des hommes et notre salut parce que nous pas aller seulement n'a faire gloire bon Dieu mais n'a travaille pour délivrance nous tout. Donc ça yo important et c'est primordial par rapport à toutes les autres. Pour qui ça me sauter pour me joindre ciel là. Yeah. Hein? C'est pas pour ça me travailler en premier. Tout reste yo pas gain sens yo. Donc faut insister sur ça. C'est lié pour nous. Oui, moi même focus que on mettait sur aspect liturgique là. Mais monseigneur Batadis, nous mêmes qui c'est des profanes, nous pas connait rien non litigé, nous pas ca ouais faillio, nous pas ca ouais. Alors sauf monde qui gain zu peut-être qui puis avancer, qui était avancé dans domaine là. Donc comment Baronet, on fait une classe pédagogie un peu. En grosso modo, sous ta cap résumé, en trois mots peut-être, quatre mots, un bon litige, c'est qui est caractéristique qui a gagné comme ça pour mieux cap senti, ah non, ça a passé. Un seul. Que les gens dans sauté l'église, là, le senti le rencontrer avec bon Dieu. Un seul. Ah. Avait dit, saute vivre en célébration. Même si il y a un grand paquet de belles chantées, père a été bien prêché, c'est pas ça qui est important. Ça qui est important, est-ce que moi-même, moi rencontré avec mon Dieu? Est-ce que moi vive présence mon Dieu dans la messe là, dans la célébration? Depuis bien ça, tout reste yo, secondaire. Tombé à l'eau. Ça veut dire, tout ou bien doit par exemple, une belle chorale qui chantait, père a bien prêché, mais si mon n'a pas vivre expérience, si, alors assemblée a pas vivre. Présence bon Dieu, il pas rencontré avec mon Dieu. Eh ben, belle chorale là, c'est face, c'est pas rien. C'est pour grand Messie, père qui a prêché à lui, il prêché pour lui-même. Mais si vraiment, même si père moun pas tendel, même si chorale là l'a fait, il fait ti clopin, il pas ajusté bien dans chanter, mais une fois que tout ça que fait, il permet que moun nan rencontre avec bon Dieu avec Christ là. Et puis il vive présence Christ là et puis il porte une transformation présence en porte une transformation là à Cali qui fait l'entrée la messe là Jean l'entrée il pas comme ça le tourner
c'est déjà beaucoup et c'est déjà l'essentiel. Donc, aspect factuel là, monseigneur, est-ce que comment il parle bien placé tout, il bien placé tout, il parle bien placé tout parce que si me vienne là quand même, bah qu'avine n'importe qui gens, hein, si me vienne un petit bout de short moi, un maillot, donc ou pas dit non, j'avais dit aspect visuel là parce que nous sommes corps et esprit, donc faut qu'on fasse son mieux, qu'on fasse son manifester. L'homme on a vu l'église, il faut jouer un feu chant pour le chanter, pour le participer tout. Il faut qu'il y ait un bon son pour écouter parole bon Dieu, pour le père à parler, pour le qu'attendre, pour parole à entrer dans lui-même. Il faut qu'il y ait un chita propre. S'il vient, il y a de l'absal, il n'y a pas le pas sentir. Il faut qu'il mette à genoux, il faut qu'il campe bien. Donc tout ça, aspect visuel, aspect physique, là, il faut entrer là-dedans. C'est ce qu'on appelle l'aménagement de l'espace liturgique. Il faut mettre le bien. Tu as dit. On peut comprendre que actuellement là et dans 4 ans c'est des bagages qui commencent qui déjà engagé dans diocèse là pour aménagement espace si ou, ouais, alors c'est un processus. Un processus, là on dit un processus, ça veut dire bon bagage qui a fait un seul coup tout de suite. Non. C'est un cheminement. Bien si effort qui commence fait et moi remercier tout confrère Payo qui vraiment accepté collaborer avec dans sens ça. Grand pile si effort qui a fait mais qui pas confiné parce que on dit que la liturgie fait partie du domaine de la civilisation lente. Avait dit en vent pour, par exemple, le Concile Vatican II qui gagne plus que 50 ans depuis les vini, mais il y a un bagage qui peut qu'on fait toujours, voyez. Donc on continue, on continue. Donc n'a pas continué. Donc ça, lui-même, lui véritablement. Femme peut-être c'est non même l'insa et cathédrale là, nous sommes des pas là et gagne il faut qu'a fait pour retourner avec ces mêmes perspectives là. Oui, ça veut dire que ça tant j'en choqué moi les moi paraît moi cathédrale de l'Immaculée Conception parce que c'est rouge seulement qui paraît parce que c'est rouge et ça bon pas de cas dire rien au comprendre mais ça mais au fur et à mesure m'étais parlé avec curé m'étais dit quand même faut que nous fassions façon pour nous y changer les couleurs cathédrale la balle la couleur de la Vierge qui est bleu et blanc effectivement bon et voilà chose dite chose faite nous dit Père Curé cathédrale la Père Jocelyn qui c'est vicaire général merci pour ça et puis merci pour toute collaboration que la bon moins tout pour nous avancer dans ce sens ça monseigneur bah qui soit pour le faire pour couler à pas changer encore bon c'est pas un autre bleu qui remplace bleu ça donc qui est fort pour le faire en ce sens pour que ou qu'un bleu couler à pour l'hériter et puis perdurer bon alors il faut dire que la situation géographique et environnementale de la cathédrale permettre que avec question salinité à la mer qui tout près vent etc donc qui permettent que des fois couleur bleue à pas capable de trop donc obligé tout le temps à remanier le retoucher donc c'est on va être consacré pour fête donc de temps en temps à l'approche de la fête patronale n'a regardé côté sac pour et retoucher n'a pas retouché mais ou... c'est bleu et blanc la prêté bah qu'on est même passé il capable bleu souhaité il était bleu et blanc oui même s'il pas bleu ça parce que gon valeur affectif et la caimonio pour gain bleu gain plusieurs bleus oui. Mais bleu ça lui particulièrement c'est le bleu de la Vierge c'est le bleu de la Vierge c'est un bleu qui pas trop foncé qui, en même temps qui pas trop pâle aussi donc c'est à vérifier pour avec le temps et un bon architecte a ben nous vraiment bleu qui correspond alors pour faire ce changement là bah faire pour comme non j'ai dû appeler un architecte que je connais bien à Port-au-Prince et que moi voyais photo l'église à Bali en rouge là et puis moi dit moi voulais que l'église a en bleu et blanc puis c'est lui qui a conçu pour moi avec en photo avec un dessin bien défini il montre mais qui genre que si m'a met en bleu mais côté m'ta mettre bleu mais côté m'ta mettre blanc etc pour faire mariage là c'est lui qui m'a aidé donc est-ce que il y a des bagages il s'appelle Mario Eli Joseph que moi remercie pour ça donc nous remercie Mario tout parce que ça lui fait particulièrement plaisir le moins blessé à retourner dans Immaculée mais monseigneur Bartelis nous cathédrale là t'as une chance dotée de trois et horlogers
trois clochers. C'est sous trois façades yo. So qui t'ai parlé avec monde qui t'ai bailli yo, donc li encore vivant. Donc et c'est des bagages il dit qui réparable, yo cap réparer. Donc ça yo on pas connaît est-ce que on leur nous pas ca espérer ouais horloge ça après marcher encore. Yo ca réparer mais pas n'importe qui technicien. Et je me demande même si ces techniciens ne doivent pas venir de l'étranger. Parce que on connaît des bagages qui ancien, yo te gon façon yo fait. Je dis à ou pas gain, c'est comme sur une machine qui là qui pas gain pièce. Et ou une machine par exemple qui pas gain pile et, qui pas en pile dans pays là et puis c'est ou même qui gain seulement. Donc là pour changer une pièce, la difficile pour joindre côté pour changer pièce ça. Donc c'est à peu près comme ça. Donc et c'est pensable, mais en même temps ça demande un coût. Oui. Que non pas qu'on gagne, mais il t'a bon si toutefois même toujours aimer l'on dans l'église autant des sons tel absonné sans que c'est pas mon cal c'est automatique. Bon, malheureusement ça va qu'on a fait n'a pas espéré espérer ça. Donc ça veut dire premier j'ai à grand pile bagaille là dedans. Oui, oh oui, c'est lui qui est essentiel. D'ailleurs mariologie a sorti dans liturgie. Ça veut dire pour qui ça me parlait de mariologie, c'est parce que nous avons un diocèse qui est la mère de Jésus, Marie, comme patronne. Et qui dit Marie, ou pas ouais Marie sans Jésus. Hein? Sous ouais Marie sans Jésus, qu'on est tombé dans mariolatrie. Mariolatrie, on ne va pas adorer Marie. Ah bon? Oui? Mais c'est la Vierge Marie, c'est toujours en relation avec son fils. Associé à son fils, dans toute bagaille. Incarnation, et passion, résurrection, il est toujours là, associé à son fils. Donc, là on dit la Vierge Marie, eh bien, liturgie a fait quoi? La liturgie célèbre la gloire de Dieu à travers son fils Jésus, qui est l'offrande la plus agréable à Dieu. Donc, si Jésus, ben nous Marie comme maman, femme, voici ton fils, fils, voilà ta mère. Eh bien, c'est normal que nous-mêmes qui chrétiens, nous développer envers la Vierge une certaine dévotion, pas adoration, vénération. Donc, la Vierge fait partie de tradition, nous, comme catholiques. Hein? La dévotion à la Vierge. Donc, c'est pour cela que moi, vini pour développer la caïmonio, remè ou pour maman ça tout. Oui. Petit immaculé, c'est comme ça, nous les têtes nos bords de paix, et donc immaculé, remè, mamima. Mais Monseigneur Batelis, bon, je retourne sur son aspect dans liturgique là qui est important, puis c'est question image là, mon qui peut être là, c'est pastoral, yo tout, dans l'activité, dans le fonctionnement, dans la vie. Donc, un peu de fois, moi, ça peut être choquant pour mon yo. Alors, on va expliquer pour éclaircir, pour qui genre, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est pas normal, comment ça. Donc, ouais, des prêtres qui foncièrement et lancés dans des activités économiques, et est-ce que c'est contraire aux normes de l'Église ou bien c'est normal que on prête lui-même les cas fait business, les fait activité économique qui est normal. Et en principe, dans l'église là, où l'on se paie, où son missionnaire, et où gain en façon pour fonctionner qui permet de découvrir que l'autre monde qui a gardé, permet ou ouais que ou c'est monde qui a suivi Christ là. Mais il y a des réalités sociopolitiques ou socio-économiques côté. Père, non, réalité bien donnée, li pas arrivé seulement capable accompli en partie, parce que lors ces moun, c'est pas seulement l'esprit à regarder, faut regarder corps à tout. Donc, et corps pour fonctionner, faut qu'il joigne des possibilités pour fonctionner. Moi, même cap parler avec ou là, moi vin là, faut me venir manger pour manger, vin dans évêché pour de paix. Qui est-ce qui peut manger? Hein? Maintenant, qui j'ai pour me faire pour manger? Ça me va le faire. Est-ce que je suis capable de dire tout fidèle dans Dieu César, vous manger pour moi? Je t'ai qu'à faire.
mais on comprend que chaque monde y a une réalité par yo, y a une difficulté par yo, donc y a pas qu'à vivre, y a gagne n'importe quelle situation et y a pas qu'à accepter, donc ou obligé des fois au fond demander au fond participation, mais ou pas qu'à tout le temps pour demander, donc faut chercher au même ou gérer tête tout. Maintenant gérer tête toi c'est comment le faire. Donc on peut le faire en église. Et si par exemple ensemble dans diocèse à nous mettre ensemble, on dit bon voilà, on va faire telle ou telle initiative et puis qui pourra aider diocèse là dans 5-10 par exemple. J'ai un plan stratégique pour le diocèse. Actuellement là, nous avec une compagnie et alors mettez une organisation et étrangère qui promet à ban nous coup de main à accompagner nous pendant 3 ans et les CLI Catholic Leadership Institute, qui a accompagné pendant 3 ans pour nous monter un plan stratégique pour le diocèse. Parce que, ou pas qu'à tout le temps arrêter dans le rapport d'assistance. Et c'est un côté un petit peu, pas dit négatif, mais qui peut être un petit peu inquiétant dans la réalité de ben, ça, c'est que les gens vivent surtout dans l'assistance. Tout le temps, c'est pas faute. Il y a un paquet ONG passé en bas. Mais yo pas fait rien, c'est juste ponctuellement yo agi et puis depuis mon yo vini c'est bayo et puis mon yo rete comme ça et puis ou pas jamais aider au sorti ou regarder réalité ban nord-ouest, moi ça me choque. Voyez, donc et PA lui-même tout dépend de réalité de besoin côté la vivre là, il est capable sentir nécessité pour faire quelque chose, pour que c'est pas tout en demander, mais c'est pas en solo pour le faire. OK, ça doit se faire en église, en presbytérium, avec le consentement de l'évêque pour voir où est-ce qu'on peut aller. Okay. Donc, il y a une petite vérification qu'on passe dans ce sens-là, au fait, pour continuer, les salvables. Donc, c'est ça. Monseigneur Ba, est-ce que vous faites 10 communions déjà à 11 et aux 10, ou 10? Alors, on nous dit comme ça, et on connaît département, l'ordre du département, on parle de commune, mais l'ordre du diocèse, l'ordre du diocèse, on parle de paroisse. Oui, paroisse. Donc, moi entré, moi vine dans le diocèse là, j'ai gagné 40 paroisses. Moi fais toutes, sauf un seul, que je vais aller coulier là, bientôt, 25 février, Glacis Kourou dans tête monde. Et l'on passe les zones Gaspard, Jean-Claire, etc. C'est la plate. Oui. Et pour qui ça me bat de jambes qu'on allait? Parce que c'est bandits qui étaient là. Et bandits étaient chassés, tout le monde, donc père, etc. Pas de gain l'église. Qu'on y a, nous venons apprendre bandits ça a mouru. Et que mon yo commence à reprendre l'activité. Et puis yo reprendre l'église. Donc, qui fait que moi senti nécessité comme pas de jambes qu'on a là que me pral visiter très bientôt et que mettons paix là qui pour aller accompagner peuple bon Dieu là. Donc on profiter saluer monde glacier. Donc pour qu'on y a là c'est un seul paroisse qui peut travailler dans nord-ouest. C'est en fait youn, alors glacier a travail, mais qu'on a gain youn qui peut travailler, en fait qui peut travailler parce que li fonctionner mais pas de façon disons gagnon paix qui allait mais qui pas là tout le temps. Pour qui ça? C'est parce que et c'est dans paroisse ça même que bandi était entré et puis kidnappé père. Donc qui fait il était vraiment difficile pour moi pour tout de suite pour me capable voyons l'autre paix, surtout si les conditions restent toujours les mêmes, parce que bandi a fait tout ça ouvler dans zone là, zone petit bois d'homme monter et la plate, etc. Donc pas qu'à choisir délibérément comme ça, voyons l'autre paix sans que me pas jauger situation hein, pour moi qui j'en sais. Mais de temps en temps il y a le prêtre, le curé de Bassin Bleu qui montait à fait la messe, en fait parti la messe, elle fait la messe pour Mounio, elle fait catéchisme et puis visiter autour. En façon pour moi qui gens, et puis je salue aussi cette initiative des habitants de la Plate qui choisit monter en brigade vigilance en sens ça pour si on capable essayer de résoudre le problème. Non, mais c'est pas qu'au fin de ça, ça doit se vérifier encore. Oui, M. Bandelis, on profite de garder ça parce que je connais. Après, les choses nous subi dans l'église, et pas seulement parce qu'ils étaient attaqués, il y a l'autre côté, comme on connaît, qui était en difficulté.
Donc et au même bon c'est au qui papa donc qui j'ont essayé sortir dans situation ça qui sont arrivés faire avec des autorités placées est-ce que des initiatives ont été faites font-il parler non des efforts qui étaient faits ou bien qu'a fait pour parler à situation. Merci monsieur De Villas. Alors femme dit autour et nous vivons dans diocèse avec une réalité qui est très particulière d'ailleurs. Son moi gon choc qui choc moi gagne c'est que département nord-ouest trouvé li pas mérité ça. Li pas mérité ça parce que nous gagnons département nord-ouest gon passé historique extraordinaire. Et je pense qu'il faudrait une reconnaissance historique à ce département que malheureusement nous négligeons parce que quand même un département et d'après ça me t'ai apprendre dans l'histoire d'Haïti la découverte d'Haïti pas même d'Haïti la découverte de toute l'Amérique a été faite là au Môle Saint-Nicolas hein maintenant qui Jean Môle Saint-Nicolas écolière hein son valeur historique extraordinaire mais qui ça nous fait avec ensuite où ça étonne que un département qui t'a supposé pionnier de tous les autres départements pas grand couche asphalte on froid qui fait sauti moule pour arriver pour de peine et puis garder conditions routières jodi a pour sauti pour de paix pour aller au moule mon cher wap nan tête cassée et c'est pas n'importe même si vous gagne bon machine wap nan tête cassée ou pas pas arriver non donc réalité a complexe. Regarde, il y a complexe et sans compter, regardez exode rural, ou à Port de Paix qu'il y a là, ou pas son ville qui est saturée. Oui. Hein? Ville qui est saturée parce que ça, moun yo gen côté yo et dans deux départements pour yo vivre. Rien. Ou prend zone ba nord-ouest, les gens sont livrés à eux-mêmes. Dans parler de insécurité alimentaire, je dis à vous, il y a 4,5 millions d'habitants qui vivent mouri grand goût mais c'est je pense dans banon de ça il y a vient dans paquet oui. Ah oui. Donc ou rentrer dans une réalité comme ça qui est difficile et puis ou arriver dans Port de Paix en ville qui saturée ou pas gain espace en ville qui était gain en 2003 220 000 habitants je dis à gain 500 000 habitants avec les mêmes infrastructures les mêmes conditions de vie et ou prend yon pour 500 000 habitants on succursale on banque chaque banque on grain succursale tout le monde afflué d'accord tout problème ça yo en paquet sans compter problème environnemental donc là arrivé dans situation comme ça ou dit non et le pire bon, si vous capable mettre moi dit ça le pire c'est que on a eu des gens qui sont originaires de Port de Paix, qui ont été des grands fonctionnaires de l'État à plusieurs reprises. Et puis voilà le résultat aujourd'hui. Mais résultat, je dis. Alors, est-ce que ça n'a pas fait nous-mêmes? Nous-mêmes qui la cap vivre là-dedans? Hein? Bah, me songer, il y a Willem Fekvini, il m'a parlé de questions environnement. Et puis il y a un monde qui vient de bon côté, qui dit ah, bon 3 ans pour adapter. Comme ça. Il dit oui, pas capable. Il m'a 3 ans pour me venir adapter ma réalité. Comme si conditions, Jean Mounio et Jean vivent au milieu de tout ça que nous connaissons dans Port de Paix. Et puis, quand il y a là, il dit m'a pas accepté le constat tout moi-même. Pas capable, monsieur De Villas. Pas capable, mais. Pas capable. Monsieur, vous comprenez, pas capable. Mais il y a des actions qui ne sont pas faites encore, surtout de beaucoup de part, nous avons des activités de nettoyage qui sont faites. Donc on dirait que vous venez d'ouvrir les réseaux. Non. Pour qui ça? Nous avons commencé comme ça. À bonne origine, action. Vous savez, à l'évêché, je reçois 2 fois par semaine. Nous, pour n'importe qui monde, de pour venir dans le bureau, ou besoin parler avec là, 2 fois par semaine, moi, là, m'attend. Mais ça, me constaté, c'est que
et majorité moun k'ap vinn côté m c'est moun k'ap mandé mandé bon c'est pas fort moun yo nan besoin ou pas ka di ou pas venir mais on pas gagné pour yo tout et puis mais chaque fois yo vinn côté m toujours prend nom écrit mandé garder qui ça au besoin et puis me quitter dans cahier là. Au bout d'un certain temps, je garde Kaïm, moi Kaïm presque à 25 ou 30 personnes que je gagne régulièrement qui viennent cap mander. Au bout d'une semaine? Non, disons deux semaines, moins d'un mois en tout cas. Mm-hmm. Et puis c'est presque les mêmes qui reviennent cap mander. Moi je n'aime pas trop l'assistana. Comme si on monde vient côté là ou dit au café l'on fois. Mm-hmm. Comprendre pas gagne, ça me gagne, dit me partager la voix. Oui. Mais si vous venez deux fois, trois fois, quatre fois, et ça qui est là, vous pas venir pour contourner non l'autre avant. Donc, je dis non, ça n'a pas qu'à faire comme ça. Maintenant, je dis bon, je prends ces gens-là, à qui ça me gagne, je ne vais pas quitter tout le temps pour venir chita là, et puis venir demander un bail, je vais faire qui choisit pour aider. Ah, c'est comme ça, nettoyage qu'a fait, ouais. Qu'on a fait dans la rue, ouais. C'est comme ça. Ouais. Je dis bon, je vais faire qui choisit pour aider. Parce que, moi, la situation pas belle. Et puis, ils sont bien contents. Ils sont contents parce que, ce n'est pas seulement parce qu'ils recevront un petit bagaille le mois. Mm-hmm. Mais au moins, ils ont participé avec tout. Donc, son équipe, ils viennent tous nos équipes pour moi. C'est ça. Ouais. Mais pour qui ça me défait? Parce que, la non-réalité comme ça, et tout changement passe par l'éducation, tout changement passe par la formation, tout changement passe à la sensibilisation. Mm-hmm. Et c'est l'âme de la rivière. Donc, moi-même, si mon yo dehors, y a fait travail ça, c'est pas place mairie qui me prend. À travers eux, j'interpelle les consciences mm-hmm. pour dire, bon, si quelques citoyens peuvent malheureux qu'à faire, pour qui ça responsable ou pas qu'à faire tout? Pour qui ça moun qui habite, qui a plus capacité, pas qu'à faire tout? Et m'aller plus loin, moi-même, je prends élève l'école, m'aller demander CNDL, les écoles qu'on organise, participer dans le nettoyage, pour élève l'école, à nettoyer la rue. C'est moi ça. Son sensibilisation, je l'ai fait. Mm-hmm. Ce n'est pas pour que je voulais faire parce que je voulais changer. Non, parce que je voulais, pour tout le monde, ça m'a fait. Non, mm-hmm. C'est parce que je voulais interpeller les gens. Mm-hmm. Et jusqu'à présent, c'est dans le domaine de ça m'arrêter. Mm-hmm. Sensibiliser, conscientiser moun sous question environnement, sous question fatra, sous question catastrophe qui prend sous tête non parce que nous non réalité pour de paix. Moi me toujours dit ça, c'est plus qu'alarmant monsieur De Villas. Ah ouais. Dis bon Dieu merci c'est que nous là, nous ka fait parler ensemble d'une chose. Mais si on l'a pi t'a tombé là, m'ta ka vinn là. Ah non. Ouais, me dit l'a pli, pas besoin mandé pour l'autre catastrophe naturelle. Donc nous sommes au bord de la catastrophe. Et c'est nous qui vivons là. Alors, si l'État pas voulu faire, alors nous-mêmes n'a prêté comme ça, nous croiser les bras, nous pour rien pas fait. Donc c'est pour ça que et j'ai monté cette commission là et m'a remettre tout. Petit livre ça, un petit livret qui marquait espoir de paix. Oui. Et qui marquait Côte Nocédi, commission diocésaine du Nord-Ouest au service de l'environnement et du développement humain intégral. Ouais. Qui ça qui Côte commission ça a sorti. L'aime fait vini. Mm-hmm. M'garde réalité environnementale zone nan, moi catastrophe liée, moi tête chargée. Moi dit m'pap ka commencer comme ça, il faut interpeller les acteurs clés de la zone du département. Qui sont les acteurs clés? TPTC, la mairie, le délégué, ministère de l'environnement, ministère de la santé, la police. Moi prends chaque responsable ça. Moi reléo yo vinn côté à pas de façon individuelle. Moi j'en m'a pas la voilà là. Moi expliquer yo mes préoccupations. Kounen après ça, moi convoquer yo dans rencontre ensemble. Allez vêche en première rencontre. Donc ou recevoir yo chaque en aparté et avant, après ça nous faire rencontre. Moi convoquer yo ensemble allez vêche. Et puis nous commencer à débattre. Monsieur Angelo justement vini, li fait yon conférence avec et prise de photos et puis li expliquer nos réalités environnementales et port de paix.
Il montre donc que il y a 21 exutoires dans Port de Alors Paix. Alors là, nous sommes en quelle année? C'était quand? 2021. Depuis 2021. Donc, on année à profil. Pas même année. Pas même quelques oui, mois. Oui, en septembre 2020. Mm-hmm. Là, nous sommes en février 2021. Mm-hmm. Oui. Moi, Mandel, alors, il vient, il fait exposer sur réalité et conditions environnement. Mm-hmm. Monsieur Retourne José, oui. Vini tout, il fait, il parle. Et puis, nous faisons une première rencontre comme ça. Nous convoquons une deuxième rencontre. Et puis dans la deuxième rencontre là, nous dit n'a formé un groupe qui est les GAPENO. Ouais? Donc il y a un responsable l'État, il y a une société civile, il y a un responsable l'église, disons prêtre et religieux religieuse. Mm-hmm. Nous formé GAPENO. GAPENO c'est groupe d'action pour la protection de l'environnement du Nord-Ouest que nous avons formé. Mais dans la troisième rencontre là, nous fin fait formé qu'on a dans la troisième rencontre là, nous dit qu'on y a là chaque groupe pour présenter un plan d'intervention sous dans domaine qui concerne elle. Mm-hmm. Tout était bien fait pour chaque groupe porter plan d'intervention. Et puis c'est au fur et à mesure ou après il y a un café bac parce que justement là arrivé dans plan d'intervention parce que au niveau de l'église on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire c'est la sensibilisation. Oui. Hein, la conscientisation. Mm-hmm. Donc nous gain moyen pour ça. Nous gain les attentes mm-hmm. pour faire cette sensibilisation, prédication, mm-hmm. rencontre, session. Nous gain moyen ça yo. Donc yeah. nous avons présenté nos plans d'intervention oui. pour en ce qui concerne l'environnement. Mm-hmm. Mais l'autre qui gain action par exemple, al travail pour retirer ci, pour retirer ça, pour faire condition côté monde à vivre la vie meilleure. Yo. Ou un résultat yo dia donc c'est chaque monde retire quoi. Donc mais est-ce que vous avez réussi à présenter plan mais vous pas ca et qui a commencé le ministère de l'environnement pour mm-hmm. présenter plan ni mais au ça va regarder tout. Mm-hmm. Et c'est dommage, il y a deux réalités m'a tout do là. Première réalité c'est que nos responsables je le dis bon j'ose le dire ne s'entendent pas. Division. Non, division. Je pas entendu. A dit ou pas qu'à côté hein, c'est responsable l'État nous y ensemble pour ça nous faire nous pas qu'à entendre pour nous faire donc il y a un problème. Hein? Deuxièmement aussi ils sont là mais j'ai l'impression qu'ils sont aussi abandonnés par le prince par l'État central. Par l'État central. Mm-hmm. A dit yo là yo t'as envie de faire quelque chose même j'ai l'impression qu'il y a des fois yo pas joué un coup de main. Mm-hmm. Si bien que des fois c'est coup de main à demander de l'autre côté. Mm-hmm. Donc monseigneur, quand on parle des vents division ça qui a soufflé et dans baie donc c'est un bagage il y a pas quand même caché encore qui est visible. Donc on s'en voit et qui respecté donc qui attendait. Donc profiter espace là. Lancer appel là peut-être tout faire en privé pour vous mais faire ça là en public et monseigneur. Lancer message là pour vous. Pour bon. Comprendre bagonken nous pas aucun intérêt pour nous continuer à diviser tête non au compte ça m'a lancé sonalement comme message. Mm-hmm. Monsieur De Villas de commencer faire et moi toujours prêt pour faire qui ça empêcher nous faire un faisceau d'unité pour le Nord-Ouest nous avons une vision commune ouais là moi en contact. Nous faisons parler entre nous avec M. Jordan Verdul, qui mm-hmm. est président de la Chambre de commerce. Hein? Nous avons l'autre monde que nous contactons, qui pourrait, Mme Charleus, avec moi tout, mm-hmm. et Dr. Kaline Léant, qui est Abou Fatma, mm-hmm. avec nous dans le comité, ça tout. Donc, son façon, il y a Pasteur Terville qui est ensemble avec moi tout. Ouais. Donc, c'est son façon pour qui j'ai une vision commune. Donc, si les responsables de l'État veulent venir chita, pour nous garder ensemble, pour une vision commune pour le Nord-Ouest, je suis prêt à mettre l'évêché à la disposition pour que tout le monde chita parle ensemble. Et puis, pas seulement parler, parce que nous parlons trop. On nous dit, pour tel, pour Nord-Ouest, pour bas Nord-Ouest, pour au Nord-Ouest, pour Port de Paix, on nous garde ensemble qui ça nous a fait. Même si nous, l'État a une responsabilité par le tout, il n'a pas tant de l'État. Mm-hmm. Mais ça nous a fait nous-mêmes, on nous fait. Mm-hmm. Parce que c'est nous là, c'est nous qui vivons là-dedans. Mm-hmm. Donc, qui premier bagage vous pensez nous qu'à faire là ensemble? Parce que premier bagage là, c'est faut commencer par chita ensemble. Chita pour nous et puis l'enfin nous pour nager.
Et chaque monde, j'aime te penser là, j'aime te commencer là. Oui, oui, c'est pour te commencer, pour nous, nous, ouais, et puis pour nous agir. Et puis, bon, on nous prend un exemple. On ne parle pas trop loin. Mais nous avons un paquet d'engins mécaniques dans le département. Côté, ça a fait. Alors que la route nous n'est pas bon. Bon, l'autre jour, on parle d'inaugurer au Fatma. Bon, ils font des bagailles. Mais ce n'est pas l'heure. Il parle d'inaugurer pour faire le Fox Mobile qui vous fait tout le temps. Maintenant, c'est vrai. Où il vient dans l'état, côté, nous bloquer, nous encercler dans le département. Oui. Pas un avion qui volait. Ou une piste qui là, côté avion, qui descend, ouais. qui est en mauvais état. À cause de mauvais état, puis ça, avion pas. Qui ça qui empêche que la société civile, l'État, nous tous mettons ensemble pour nous réparer la piste là? Pour permettre à l'avion de descendre, parce que nous bloquons nos machines, moi j'ai 2 ans de bacal pour prendre sa velle. Et puis, avion pas qu'à votre. Bon, qui j'en veux partir là pour moi? Si m'gon... Bon, problème santé, ou malade là, monsieur De Villas, qui dit m'qui koto ka aller. Non. Ou pas dit m'pas la pointe, non. Mais ça la pointe qu'a fait. Non. Gen des malades ou pas. Ou... M'besoin de médicaments là l'autre jour, m'pas venu dans port de paix, non. Nous, j'ai l'impression, nous pas conscients de qui réalité nous vivons, non. Nous avons une épée d'Amoclès qui sous tête nous. Et puis nous rester comme ça, nous faisons comme si rien pas dit nous rien. Je ne peux pas arrêter là comme ça. Hein? L'heure pour nous prendre conscience, pour nous sortir dans ça. Parce que sinon, nous sommes victimes. Nous commençons victimes déjà. Nous sommes victimes. Et victimes, ce n'est pas seulement insécurité. Nous sommes victimes de la nature, de catastrophes naturelles. Yo. Qui a venu n'importe qui l'est. Ou pas qu'à épargner ça. Donc, nous, ces temps-ci, le directeur de police a changé souvent. Dans quel sens ça a affecté l'initiative POYO pour faire chita parler en tant que GAPENO qui est lancé? Dans quel sens ça a affecté et continuité dans le changement qu'a fait ça? Bon, écoutez, c'est bien dommage. Bon, dès des fois où est changement fait, et puis, mon nom a commencé avec, là, par exemple, tu as un commissaire Mirtil, tu as un commissaire Compère. Mm-hmm. Oui. A bon, il y a un commissaire, c'est tout. Nous oui. commençons à faire des dialogues ensemble. Mm-hmm. Nous commençons à parler. Bon, nous sommes plus chita sur la question insécurité mm-hmm. dans Thibois d'Homme. Mais et nous pouvons chita vraiment sur la réalité que nous avons parlé là. Mm-hmm. Mais ça peut nous peut-être dans 2 jours, 3 jours, si pas le déplacer. On ne sait pas. On ne sait pas pourquoi et puis quel est le critère des changements mm-hmm. aussi. Mm-hmm. Bon, ça c'est pas la police. Nous ne pouvons pas entrer là-dedans. Mm-hmm. Mais ce n'est pas la police seulement. Mm-hmm. Eh, si quel que soit domaine nan, TPTC, environnement et santé, qui nous était trop n'attend ou bien nous trop passif. Gen des petits bagages qui ka fait, m'pa di une goutte d'eau dans l'océan c'est quelque chose, même mm-hmm. nous mettez goutte de l'eau quand même. On nous mettez le quand même. Ouais. Donc merci ça donc quand même. Donc mais monseigneur, dis nous non, qui j'ont essayé pour finir après ça on a un acteur clé ou c'est la mairie qui j'ai une relation entre diocèse là ou bien évêque Paul de Père avec et la mairie, comment nous travaillons ensemble? Au départ c'était bien parce que c'était avec yo nous t'ai commencé les moun yo t'ai gen temps mettre magistrat au courant t'ai dit bon le moun moi ramasser fatra faut que gon moyen pour ajouter. Effectivement, tu as mis tes machines et un camion à la disposition. Non, ça a bien commencé. Mm-hmm. Mais au fur et à mesure, commencé à gagner un relâchement parce que, bon, il faut gagner gaz, il faut gagner ceci, il faut gagner cela. Donc, bagaille au vin, pas qu'un B. Il pas qu'un B et c'est dommage. Et l'initiative-là, il campe dans ce sens-là. Alors, pour qui ça le campe tout par rapport à monde ça a été dans la rue? Gen deux raisons majeures. Première raison majeure là, c'est que je n'ai pas les moyens pour que chaque mois ou à bail 20 moun et en rémunération chaque mois mm-hmm. ou pas joindre côte ou pas contre côté le sorti mm-hmm. des fois c'est réduit ou après dit mais peut-être moun yo te vle fèl là c'est yon. Mais deuxièmement aussi, et c'est là que je déplore, en pile là dans recevoir menace. Mon yo mon. Ah bon? Menace de la part des gens qui vivent même dans le quartier. Ça étonnant. Ouais. Jouman, gros jouman.
et pas besoin de répéter là, mais oui. C'est leur plainte à moi. Je dis, Monseigneur, ils ont senti, ils ont voulu faire travail là, mais la vie est menacée. Ensuite, il y a des fois, ils ont fini de passer, bah, aller dans la rue, deux heures de temps pas passé, on aurait mis la même histoire dans le même espace. Ça. C'est un petit peu décourageant. C'est pour ça que pour changer en mentalité, ça demande conscientisation, ça demande sensibilisation. Et ça prend du temps. Ça prend du mais temps. C'est pour un travail au café pour qu'on tout. C'est ça qui fait. Si vous ne faites pas en réseau, si vous ne faites pas ensemble, il n'y a pas de marcher. Donc, oui. J'ai stoppé parce que, un, pas de moyens. Deuxièmement, ou pas qu'à faire un bagage uniquement pour compte. Donc, faut qu'on fasse ensemble. Vous sentez que vous compte dans l'initiative? Gen l'autre initiative, Gadel, bon, ouais, dans la où il y a qu'à faire, c'est bien, mais. Sauver Nord-Ouest. Sauver Nord-Ouest. Mais sans samboundaye. Yeah. Sans samboundaye. Donc, pipi gaye, pas qui, mais. Non, sans samboundaye, pour nous, qui ça. C'est ensemble, l'État, société civile, et l'Église, chaque monde dans le niveau pas où faire ça au café. Parce que faut que nous fassions quelque chose. Nous pas qu'à là, et puis pour nous, malheur à tomber sur nous, et puis nous étions comme ça, nous avons croisé les bras nous pour nous quitter, nous avons fait n'importe qui. Ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, il y a trois jours liés, parce que nous avons l'impression que nous avons dans tous les trois. Eh ben oui, pas, oui nous entrons. Mais justement, écologie à lui-même. Alors, dans le domaine de sensibilisation, je trouve que Anessa me fait priorité pastorale, moins centrée sur les jeunes et l'environnement. Parce que les jeunes sont les acteurs clés pour un changement de mentalité, pour un changement de comportement. Hein? C'est avec eux, d'ailleurs, c'est au cas venir. Nous-mêmes, ça allait nous parler, oui. C'est au cas vivre là-dedans. Donc, si nous pas impliqués, dans l'autre comportement, dans l'autre regard sur la nature, sur l'environnement, eh bien, c'est peine perdue. Donc, c'est la raison pour laquelle que dans Dieu, c'est à nous essayer de concentrer nous pour qui j'en ai sensibiliser les jeunes davantage sur ça. Et c'est la raison pour laquelle aussi que nous avons organisé un concours à la médiathèque et sur l'environnement. Et nous sommes contents que qui j'en jeunes, ils ont une initiative, ils ont un esprit créatif. Vraiment, on était bien content, on était venu participer avec nous. Tout était ouais, qui gens, qui talent au gain pour développer la caillou au niveau ça. Donc, ce n'est pas suffisant, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais il faut que nous continuions. Donc, nous avons besoin que les jeunes soient impliqués. Donc, et moment des pères autour, et bien dans toute prédication, dans la session qu'ils ont fait, dans la rencontre avec les jeunes, dans tous les moyens qui sont à disposition, pour être capable d'impliquer les jeunes à une responsabilité envers l'environnement, la protection de l'environnement. Surtout avec deux documents que Pape François a fait sortir, Laudato aussi en mai 2015 et puis récemment en octobre 2023, Laudate Deum, qui parlait justement de responsabilité que nous gagnons envers notre maison commune qui est la création de la terre. Gonçal et Tom, tu as senti l'implication de l'école, surtout chez les sœurs. Donc, il m'a vraiment senti qu'il y a frère, il m'a connu dans l'initiative environnementale là, parce que j'ai eu une chance de t'inviter dans l'initiative que tu as fait pour garder des élèves qui t'a fait, qui t'a travaillé sur des projets environnementaux. J'avais dit, c'était vraiment intéressant, mais finalement, j'ai eu l'impression que ça n'a pas continué, et Monseigneur. Non, alors. Alors, situation, on t'a parlé de situation politique. Tout ça entre là dans tout, mais c'est à continuer parce que avec la commission ça que nous formons, nous prenons justement demander et exiger pas seulement l'école catholique, mais parce que si toute l'école t'a entré là dans la ville là, protestant, l'école laïque, tout le monde entré dans le combat pour la protection de l'environnement, pour le nettoyage de la zone. Il y a tout le monde à entrer là-dedans, moi je suis certain. Il suffit que nous fassions faisceau ensemble. Je vais faire invitation avec le comité ça que je gagne pour voir si nous avons reprendre. Ben, c'est l'important. Même si c'est une seule fois dans moi, mais au moins élève l'école le sentir impliqué parce que l'éducation passe par les jeunes. Donc, ça veut dire ou pas voulez accepter la situation. Mais pas moi seulement pour pas accepter le constat. Ou même Monsieur De Villas qui dans la presse pas doit accepter le constat. Au contraire, la presse doit tout le temps faire des émissions de sensibilisation, de conscientisation dans n'importe quelle occasion joindre pour aider nous sortir
dans l'état nous hier parce que ça ne va pas. Ça ne va pas à bord de paix. Ouais, j'ai pris dans ce petit livret et en photo. Au compte qui est-ce qui t'a dit ça? Ma ville est à l'agonie. Au compte qui est-ce qui t'a dit ça? Et va mettre walk? Non. Bah, non. Monsieur Daniel Lauriston. Ah. Qui t'a dit ma ville est à l'agonie. Et puis moi illustré avec des images pour montrer qui Jean ville noire à l'agonie. C'est lui qui t'a dit parole ça. Wow. Donc moi qui aime bien pour ça. Mm-hmm. Donc c'est pour montrer que c'est nous toutes. Donc ça veut dire monseigneur Batelis dès pour arriver là dans ou très actif dans milieu pour garder qui gens cap améliorer situation. Donc et ceci m'bavlek senti c'est port de paix seulement mais m'ta garder gagner mon mol Saint Nicolas qui était participer dans quoi que m'était très réjoui te gagner la tortue sauf que bat senti toute et paroisse. Alors nous alors dans l'église là nous fonctionner en yo les sa zone pastorale. C'est ça nous relé commune et dans département. Alors zone pastorale yo dans chaque zone pastorale par exemple mol Saint Nicolas ou gagne 8 paroisses. Donc l'aime dit doyenné Mol Saint-Nicolas, c'est pas un seul Mol Saint-Nicolas, c'est tous les 8 paroisses qui mettent ensemble. L'aime dit la tortue, m'parle au palmi seulement c'est tous les 3 paroisses la tortue. L'aime dit port de paix, c'est toute paroisse qui forme port de paix. Okay. Donc c'est ça que fait, c'est ça que c'est tout diocèse ça qui était embarqué là-dedans. Donc tout diocèse attente et puis bien content que nous t'ai 12 gagnants. Et dont 3 meilleurs yo et heureusement malheureusement c'est fort de paix que yo sorti. Oui, faut mentionner ça, tu as plusieurs catégories. Oui, et pour chant, pour poésie et puis pour texte, hein. Vous songez c'est Sacha que nous saluer qui t'a gagné concours chant, c'est Altidor qui t'a gagné concours poésie et puis c'est Mkouet concours natif là, c'est texte natif là, c'est et c'est pas Emric non c'est Thierry Tiena merci donc nous saluons tous monseigneur est-ce que bah ça ou c'est bah vous comptez pérenniser ou bien c'est juste ou t'as fond essai bon Dieu évidemment qu'on est pour fond bah comme ça monsieur de Villas il m'a donné un débout oui c'est sûr il m'a donné un débout. Moi-même, personnellement, je n'ai pas qu'à faire tout le temps. Je n'ai pas qu'à encourager à faire. On vient sur la médiathèque. Oui. La médiathèque, c'est l'espace qu'il faut pour faire ce genre d'activité. Pour faire grandir l'aspect culturel de notre zone, du département. Mais ça crive dans la médiathèque, là. Ils ont fini construit bâtiment pour nous, ils ont quitté le conseil. Et heureusement, médiathèque là, c'est un dérivé chez lui. Moi, je suis certain, si tu es l'autre côté, il était fini déjà. Ah bon? Parce que c'est un combat qui est abandonné. Écoute, c'est pas dans la ville là, ou pas l'autre chaise là-dedans. Coup de chaise, il est sorti. Ça coûte? Chez je sorti et c'est son en contact moi gain dans l'autre pays que moi m'a dit il a changé chez tel côté si tu cap faire chez cadeau chez ça yo yo ferme cadeau yo mais pour yo vini et conteneur pour prendre depuis notre pays à vin là son coût en plus pire pour dédouaner son l'autre coût côté me vienne comme ça. J'ai fait des dettes, oui, pour la médiathèque. Pour la médiathèque. Si nous avons mis dans la prison, nous mettons que c'est pour la médiathèque qui a mis dans la prison. Donc, parce qu'il fallait trouver les moyens, parce que les conteneurs ont fait le rivé. Mais chaque fois que je quitte l'autre bois, c'est $60 américains ou à payer chaque jour pour se quitter. Donc, il faut mettre les moyens pour. Je m'en demande plus que presque $90,000 haïtiens pour dédouaner. Or, pour des choses qui n'ont pas de valeur vraiment, parce que c'est chaises qui en deuxième main, en deuxième état. Mais qui bon. Oui. Donc, tout ça a son coût. Ensuite,
gen l'autre petit projet nous pas besoin dit ça là mais est-ce que m'obligé dit très certainement mon yon déjà envie qu'on est pour la fête de l'Immaculée Conception. J'ai reçu un message d'un membre du cabinet du Premier ministre qui dit que yo voulait participer dans fête là. M'dit yo pour moi-même c'est pas ça qui est prioritaire. Participer pour fête patronale, c'est pas ça pour moi. M'dit mes besoins médiatiques là n'ont pas gain banc, n'ont pas gain chaise, n'ont pas gain son, n'ont pas gain électricité. Ouais qui ça nous ca fait pito pour médiathèque là. Yo mandé pour m'écrit ce que j'ai fait. Moi écrit, moi dit puisque nous te voulons aider pour et fête patronale là, dit préférer que nous fait quelque chose pour médiathèque là parce que nous en avons besoin parce que mais ça me compter m'voyer photo et concours me fait avec jeune yo tout pour yo ouais mais qui ça me fait pour encourager ouais ce qu'a aider ma réponse là et jusqu'à présent m'a pas la voilà là on attendit toujours bon on espère mais c'est des contacts à c'est des contacts à Port-au-Prince oui c'est directement le cabinet du premier ministre exactement bon. Donc, on va supposer dire ça, mais on fait deal. Oui, mais moi, j'ai besoin qu'on ait ça, parce que quand même, sacrifice qu'a fait, il faut qu'a fait. Bon, donc, et c'est ça que fait, tu veux, il faut que la population comprenne ça, parce que bah, tout le temps, dans les deux, il y a dit, c'est comme Petro-Caribe qui fait, donc il faut qu'il serve. Oui, mais la médiathèque est là, elle a un but. Médiathèque là parle là pour n'importe qui bagaille donc il pas qu'à faire n'importe qui gens tout et elle ne se trouve pas n'importe où c'est à l'évêché donc gon respect gon façon de fonctionner gon façon pour le fait à l'intérêt de tout le monde mais dans des normes et des disciplines convenables donc est-ce que nous qu'a dit actuellement là médiathèque là est disponible est ouvert au service de la population mais ça a toujours été ainsi mais moyennant que nous imaginons vous voulez venir là-dedans mais pour le fonctionner à qui ça va fonctionner il pas faut gagner des cours chaise yo ou gagner dette sous chaise est-ce que pas d'où venir comme ça ou pour occuper pas capable donc il faut quand même une collaboration une participation donc faut médiathèque là bat pour occuper tête li oui mais quand même est-ce que là c'est bon, c'est ou même ou remen gen plan stratégique pour travailler sur est-ce que nous envisager des plans donc côté médiathèque là qui prend tête pas en charge n'a vini nous gon comité pour ça nous gon comité pour ça et nous bien content avec Benson dans comité à tout ah bien content ça veut dire n'a pas aller nous gen TV parce que ou pas quand on côté pas une vision ça fait monde ça faut qu'à avancer c'est une vision. Là où il y a la volonté, un chemin se crée. Donc, une fois qu'on a une vision, une fois qu'on a une volonté, on va pouvoir avancer. Donc, on n'a pas avancé petit à petit pas. Et Benson, nous espérons que ça nous envie de faire la fête en l'heure. Bon, Monseigneur Batelis, et Nawal Vini, son note qui c'est H-Comité et à conférence des évêques haïtiens, ou même été sorti récemment. Donc, côté nous demander. Premier ministre Ariel Henry pour lui prendre une décision de sagesse. Nous allons venir à la question pour nous garder qui sa décision de sagesse la cahier, mais nous allons prendre une pause publicitaire là et nous allons essayer une pause avec Dalbagay LLC qui est unique supporter émission ça. Mesdames, Messieurs, nous prenons une pause là, nous allons tourner tout à l'heure. Dalbagay Shipping, donc Dalbagay Shipping. Donc si vous besoin voyer marchandises en Haïti, donc la privé dans 4 jours en Haïti, et ben c'est contacter Dalbagay Shipping. Donc c'est et marchandises qui passe par avion, OK? Donc vous voyez marchandises par avion. Dalbagay Shipping. Numéro de téléphone là c'est 754 551 18 23, 754 551 18 23, et puis 689 278 08 25. Donc si vous besoin voyer marchandises en Haïti, et ben c'est contacter Dalbagay
Dalbagay Shipping. N'importe où vous voulez en Haïti, donc l'a vini par avion. Dalbagay Shipping, donc Dalbagay Shipping. Donc si vous besoin voyer marchandises en Haïti, donc l'a privé dans 4 jours en Haïti, et ben c'est contacter Dalbagay Shipping. Donc c'est et marchandises qui passent par avion. OK? Donc vous voyez marchandises par avion. Dalbagay Shipping. Numéro de téléphone là, c'est 754 551 18 23, 754 551 18 23, et puis 689 278 08 25. Donc si vous besoin de marchandises en Haïti, et ben c'est contacter Dalbagay Shipping. Nous retournons pour dernière ligne droite émission. On a pour rappeler que nous avons un privilège pour nous gagner Monseigneur Charles Peters Bartelis, qui est en studio avec nous, qui est 6e évêque dans le diocèse Bois de Paix. On diocèse qui vient de environ 160 ans plus, quand même. Oui, à peu près. Plus? Oui, 160, mais le terrain a existé déjà. Mm-hmm. C'est parce que l'évêque n'a pas de cours vini pour stable. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était deux diocèses qui fondaient ensemble, c'est Gonaïve et Port-de-Paix. Ah. Mais l'archidiocèse du Cap-Haïtien était toujours qu'on a voyagé sous Port-de-Paix. Mais en principe, c'est à peu près dans la zone ça. À peu près 160 ans. Donc, c'est ça quand même. Six, vous trouvez six là, pour lors d'un contexte politique. D'abord, par exemple, on parle politique un peu souvent avec Pugno. Pour dans 30 ans, quand c'était le gouvernement passé, et puis dans 150, 160 ans, pour nous passer 6 évêques seulement, et ou même aussi 6e, qui est très jeune comparativement, et je me dis jeune, à oui, 4 ans, oui, et oui, comparativement oui, avec l'autre monde. Donc, il me dit, waouh, et ça qui explique ça, Monseigneur Ba? Ben alors, ça qui est important, c'est que quand on est nommé évêque, on est nommé évêque jusqu'à la mort. Ah. Par exemple, moi-même qui est là, reste vim, c'est pour deux paix, m'a fait. Content. Ça veut dire, c'est jusqu'à ce que, sauf décision contraire du Saint-Père, mais sinon, reste vim, dans l'anneau que je porte, ça veut dire que moi, marié avec diocèse là, l'église qui est dans Port de Paix. Donc, et si pour t'a déplacé, sauf urgence ecclésiale, mais en principe, on est là pour jusqu'à ce que je mourir. Donc, bon, dans la cinquantaine, j'avais dit, imaginez, pour Elton, 75 ans, vous démissionnez. Donc, tu vois, donc, okay, c'est bon, comme ça. Petit temps. Oui, okay, bon petit temps. Donc, c'est grâce à mon Dieu seul. Est-ce que ça a arrivé ou émérite, mais on a toujours été dans le diocèse là? Oui, ça a arrivé. Oui, ça, par exemple. À plusieurs reprises, Port-au-Prince était un émérite, mais où était Port-au-Prince? Et en général, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Contexte. Hein? Monseigneur Polo, tu es choisi, fait titan émérite lui. Et dans Moigno, Caries, bon, c'était sa volonté. Donc, mais tu es arrêté dans Dieu, c'est ça aussi. Ok. Ouais. Monseigneur Bagon, note qui sortit, et après, en pile mouvement, la rue. Il y a des gens qui parlent de révolution, des gens qui parlent de manifestation pour déboulonner. Et le premier ministre Ariel Henry en tête et l'administration de l'État. Donc parce qu'ils ont trouvé qu'il n'y a pas fait rien pour soulager la souffrance de la population. Donc moi, note là, les notes c'est à la sortie, les sympathiser avec ça, mon yon vive journée aujourd'hui. Donc nous prenons la cœur ou signer note ça qui m'a dit président et qui m'a dit qui m'a dit premier ministre Ariel Henry. Pour prendre une décision de sagesse. Donc, et une décision de sagesse dans le moment, dans la circonstance, c'est qui ça le t'a donné? Alors, pas oublier, M. De Villas, que son énième message. Oui, oui. Parce que conférence-là, et surtout en l'année 2023, nous fait plus messages sortis que d'habitude. Et à plusieurs reprises, conférence en fait des appels précis. Hein? M'a juste font un rappel pour vous, dans un message qui est sorti dans l'année 2023, m'a pris un petit parti pour comprendre pour qui ça, conférence en prend, vient à décision ça, arrête, sorti une note ça. Alors, nous demandons aux actuels tenants, ça c'est depuis c'est, avant, dans 2023, dans mi-temps année, nous demandons aux actuels tenants du pouvoir de poser des gestes concrets et forts pour une vraie réconciliation historique ici et aujourd'hui en Haïti. La note continue. Nous exigeons en outre que les pouvoirs publics et d'autres secteurs de la nation
arrêtent en même temps leur complicité et leur soutien aux gangs armés, que la police devienne l'allié de la population, que le dialogue politico-social se construise sur la base de vrais besoins du peuple, que les formules de solutions trop longtemps utilisées et qui n'aboutissent à rien cèdent de manière urgente la place à d'autres pour mettre fin à cette situation inhumaine à laquelle nous essayons de survivre et qui fait la honte d'une si grande nation. Tout c'est des appels à la conscience citoyenne, à la responsabilité politique. Mm-hmm. Nous faisons pile appel, mais au pas coûté. Hein? On fait la sourde oreille parce que nous avons une population qui a souffert, qui n'ont état déplorable, qui pas capable encore. Mes amis, maintenant, est-ce que on est vraiment conscient des souffrances de ce peuple? Alors, là, nous finissons faire tout message, ça va sortir. Maintenant, que faire? Eh bien, il faut aboutir à une décision sage. La décision, qu'est-ce que c'est que le sage? Le sage, c'est celui qui fait preuve d'un jugement droit, d'un jugement adéquat, adapté à la réalité. Je dis à qui sa réalité, je dis à. Qui dirige ce pays aujourd'hui? À nous poser peut-être nos questions. Est-ce que c'est l'État? Ben, ce sont les gangs. Je songe que j'ai une intervention, je songe qui ministre, soit ministre de l'Intérieur, à propos de Marty Sanf, qui t'a dit, bon, il était arrivé Marty Sanf, désormais, passage pour le fait, Marty Sanf. Je songe qui époque, mais c'est tout récemment. Oui. Mais jusqu'à présent, mon pas qu'à passer, Matisse. Gon l'autre déclaration que sortit la police, qui te dit que bon, zone qui contrôlait déjà, yo, ok, yo contrôlé, mais pas gen l'autre zone qui nouvelle zone qui pourrait le contrôler encore. Mm-hmm. Lors regarder où est Koulia, Mariani, yo pas Mariani et y a pétan. Mais finalement, à quoi aboutir? Et je pense qu'il y a aussi une hypocrisie de l'international. Hypocrisie dans quoi? Qui sort absolu? La question c'est qui dirige et pour qui ça? Qu'est-ce qui empêche aux gangs pour pas envahir tout Port-au-Prince? Qu'est-ce qui a empêché? Yo pas faire parce que si gang yo a l'envahir prématurément, on va le dire coup d'état. Voyez? Mm-hmm. Maintenant, comment faire pour trouver une issue haïtienne à cette crise? Parce que c'est nous pour joindre une solution, pas nous. Donc, la décision de sagesse veut dire quoi? Eh bien, si tu ne te sens pas capable, eh bien, donne à un autre. Ou bien aussi, la décision de sagesse dit, si tu ne veux pas partir, mais au moins, reste pour faire des compromis. Hein? Relais tout le monde, chita, et puis on fait compromis. On a beau essayer de faire ces compromis, il n'est pas abouti. Il y a les tout accord qui choisit, qui prend le parfait. Ensuite, mais si tu veux rester, mais fais appel, j'ai habitué de dire, à une conférence nationale hein, pour impliquer tout le monde, pour voir qui solution haïtienne nous cajoune la crise. Là, bon, ça ne peut pas qu'avoir tout le temps, ou c'est où qu'a fait toute bagarre pour qu'on trouve. On ne résout pas le problème de pays ainsi. Vous voyez, il y a plusieurs facettes dans cette décision de sagesse. Donc c'est à lui de savoir quoi faire pour le bien du pays. Est-ce que nous comptons faire plus, en plus notre là? Oui, mais qu'est-ce que l'Église peut faire plus? Peut-être aller directement rencontrer avec le Premier ministre Ariel Henry, pour peut-être un groupe de monde pour essayer de parler avec lui directement. Oui, mais y a, le problème c'est que là, nous finissons de faire tout appel ça. On ne nous écoute pas. Hein? On n'a jamais voulu nous écouter. Hein? Maintenant, en Église, nous devons penser. Bon, l'Église ne peut pas faire grand-chose sinon que d'interpeller, sinon que de conscientiser, sinon que d'inviter les responsables à prendre leurs responsabilités. Mais. Yo pas qu'à faire, mais il y a une mémise de l'international qui pendait sous tête nous, qui empêchait nous avancer tout. Faut nous réalité. Donc quoi faire? C'est ça le dilemme aujourd'hui. Mais comment conférence évêque yo même yo ouais
en perspective MMS là qui vient pour venir et mission multinationale là qui yo promettre qui t'a déjà venir dans moi dans et ça gain quelques mois te promettre nous sur des difficultés. Est-ce que comment nous voit ça? Bon, et monsieur De Villas, il faut être réaliste. Est-ce que nous ça sorti pour compte nous dans ça hier là? Hein? Au moins une chose qui doit être conjoncturel pour penser élection, faut gain sécurité. Maintenant nous qui peut nous donner cette sécurité là aujourd'hui, hein? Qui, c'est-à-dire que avec nous OK, mais qui est-ce qui a la volonté de volonté ça depuis 2 ans à chercher côté le sorti nous pas qu'à joindre. Donc on n'a pas le choix, c'est accepter que yo viennent aider nous ban nous sécurité, mais faut que yo veulent faire. C'est pas tergiversé. Yeah. Depuis date, il y a parlé de ça, mais on sent une certaine hypocrisie. Donc, et vous voyez, c'est pas évident. Donc, c'est pas évident. Mais par contre, nous, nous pas capables d'espoir tout. Donc, c'est nous-mêmes haïtiens qui pouchons ensemble. Et notre plus grand problème aujourd'hui, c'est le fait de s'asseoir ensemble. Mm-hmm. C'est ça le mal haïtien. Donc, nous gagnons du mal pour nous chita, pour nous parler. C'est ça le mal. Et c'est ça que fait l'international profite aussi de ça. Mm-hmm. Ouais. Donc c'est véritablement triste. Oui. Donc nous parlons de forces qui doivent revenir. Donc on a une rencontre qui fait récemment comme quoi Bouta mette et signé des accords palpables Washington, c'était hier 14 mm-hmm. encore nous connaissons une réunion qui a fait jeudi à tout. Mm-hmm. Donc mais vous pensez ça véritablement qu'a débouché son un bagage réel pour que nous t'accabouer sans plus tarder pour nous t'accabouer. Parce que on ne peut pas sortir seul. Ça c'est mon point de vue à moi. Mm-hmm. On ne peut pas sortir seul. Il y a des accords entre guillemets politiques qui dit qui prend pour si tu as proposé une alternative, mais il paraît des accords conjoncturels parce qu'une fois que soit premier ministre Patal là ou bien chose, yeah. La division recommence encore parce que c'était juste pour vous aller. Mm-hmm. Ça, ce n'est pas solution tout à pays. Vous comprenez? Il faut trouver des gens capables, des gens honnêtes qui veulent le bien du pays. Ils ont existé, mais c'est nous pour qu'on fasse pour qu'ils vous fassent quand même pour nous joindre Mounsayo pour que quelque chose soit fait. Parce que sinon, nous ne sommes pas là-dedans. Non. On ne peut pas laisser une nation à la dérive comme ça. Mm-hmm. Hein? Même pour l'international, donc il y a toujours de comme ça. On nous qui ont une situation difficile. Ou pas aider, donc son crime lié tout, vous voyez? Yeah. Donc ne pas venir en aide, en assistance à ceux qui en ont besoin, vous voyez? Et Monseigneur Ba, et nous vraiment arrivé en galerie seulement quelques minutes pour nous séparer, et qui séparer nous dans la fin de l'émission ça. Et récemment, Pape François, de faire des déclarations côté moi noté et conférence avec là encore t'es obligé pour t'es en rectification pressée sous question pas changer de thème là exactement mais c'est sous fiducia supplicans fiducia supplicans c'est on note en rapport avec l'homosexualité effectivement donc faut s'expliquer donc qui ça lié et qui ça lié qui ça t'es mal comprendre là dedans. Bon, l'Église là reprend la doctrine qui vient sur le mariage. Et la doctrine sur le mariage, c'est quoi? C'est un homme et une femme pour la vie. Ce n'est pas pour 2 ans ni pour 20 ans. C'est pour la vie. C'est un homme et une femme. OK? Maintenant, il y a des situations qui sont actuellement présentées et qui fait que il y a des gens qui viennent. Par exemple, donner une bénédiction. Moi, je ne sais pas si je vais faire une bénédiction. Déjà, je ne sais pas qui est sur elle. Est-ce que vous comprenez? Mm-hmm. Une bénédiction reste une bénédiction, pas un rapport avec un sacrement, ni liturgie, rien du tout. C'est ou même, ou venir, ou demander, valer mon dehors là qui m'a dit, mon père, bon, bénis. Mm-hmm. Bénou. Même pas mando, souci, sous ça. Ok, maintenant, l'intention c'est quoi? Moi-même, et ce que j'ai demandé à mes prêtres dans le diocèse, moi dit parce que il y a des cultures qui pas
qui pas adapté à telle réalité, à telle mentalité. Moi, c'est ce que j'ai demandé à mes prêtres. On peut bénir tout le monde, sauf les couples affirmés, sauf les couples qui s'affirment vraiment qu'ils sont homosexuels. Ça veut dire, deux mouns qui apparaissent sous moi là, ou qui apparaissent à l'autre monde là, bénir. Mais sous dim c'est coupé, les samedi dit non, pas qu'à bénir, parce que c'est pas dans la ligne de ma foi. Mm-hmm. Vous voyez? Mm-hmm. Donc c'est tout ça qui suscitait, par rapport à la culture, qui suscitait en pile, mm-hmm. en pile ti mouvement. Donc, voilà. Mais qui est nouveau là-dedans là? Qui est nouveau dans sorti ça? Eh bien, ça qui est nouveau, c'est ampleur que vous avez là. Non. Vous prenez peut-être que moun ki nan situation ça ou vle prendre pour yo et pourtant c'est pas ça le vle dit. Mais peut-être tout pour qui ça pas François tu es obligé faire retour là sur ça. Peut-être bon, alors gon réalité en Europe qu'on connaît. Mm-hmm. Et on connaît réalité Europe, pas réalité Amérique, ni réalité ouais. Afrique. Ah, oui. Alors réalité en Europe c'est que il semblerait que gain des côtés soit Belgique etc., à côté c'est des choses qui paraissent normales dans l'église qu'il a fait. Mm-hmm. Donc il fallait mettre un frein à ça pour dire que non, ça pas ça qu'a fait là, il pas liturgique, il pas dans ligne d'église là. Donc il est obligé lui-même signer ça pour dire non au cas en bénédiction, mais faut pas entrer dans ligne foi non principe l'église là. Vous comprenez? Mais un monde qui vient ou vient côté là béni ou même pas contre qui est souillé. Ou m'a dit béni, mais souvent dit moi, ou affirme même, selon mentalité, selon culture, et selon la foi, tout, ou dit c'est en couple homosexuel, ou besoin béni, non, pas capable, et mm-hmm. j'ai interdit à mes prêtres de le faire ainsi. Mm-hmm. Par exemple, Monseigneur, si je parle dans n'importe quelle paroisse et paroyo, et puis je fais n'importe quelle célébrant prêtre, et puis je dis c'est homo, et puis j'ai besoin de bénédiction, il y a préfisé ou bien pas mal. Non, j'avais dit, bon, je n'importe qui moun ou ka bénil sauf que ou gon accompagnement pour faire pour moun ça par okay. exemple ou présenter moun di moun son homo ou mande m béni ou m'a pas accompagné ou et puis m'ka la prière avec ou même m'ka mando mon cher il ta bon pour que parce que ligne ça li pas entrer dans ligne la foi l'église là comprendre mm-hmm. et puis sans compa- parce qu'on ne peut pas rejeter la personne. La personne reste quand même une personne humaine. Mm-hmm. Quelque chose. Bon, te mettre beaucoup à l'église, faut m'accueillir lui. Ouais. Hein? M'baka jeter le dil ou pas faire partie de l'église, non? Non, parce que il doit aussi entendre la parole de Dieu. Mm-hmm. Faut écouter parole bon Dieu, et puis ça pour ces parties parole ça écouter pas le changer. Tandis que souvent côté moi dit moi c'est retire quoi sur moi. Et ça m'pa aider au sortir dans soirée. Vous comprenez? Mais par contre je ne suis pas capable d'affirmer, prendre nous tous les deux ensemble, mettre ensemble, et puis qu'on est à nous, c'est comme si nous sortions à Liban, et puis continuer. Non, je ne suis pas capable de faire ça. Monseigneur, je vais poser une question qui est d'actualité, peut-être fidèle catholique qui va vivre, qui a peut-être tourmenté autour. On va répondre nous, et puis avec clairvoyance ou intelligence, on va faire nous comprendre plus bien. Donc, un artiste haïtien qui est très connu, qui est très prisé, qui dit c'est impossible pour mon haïtien pour chrétien. Donc est-ce que pour qui ça un haïtien ca chrétien et monseigneur Bartelus parce que nous sommes monde nous c'est petit bon Dieu aime nous. Et bon Dieu aime ni blanc ni africain ni haïtien de la même façon. Il pas grand différence que le fait. Hein? C'est chaque monde ça nous besoin seulement c'est se laisser aimer par Dieu nous aussi. Hein? Si bon Dieu est même comme ça, mais bam quitter bon Dieu est même. Hein? Bam ouvrir cœur pour bon Dieu est même. Et dans façon me découvrir bon Dieu est même, la permettre que moi mon l'autre tout. Mm-hmm. Hein? Parce que ça le fait pour moi, me faire, lui capable mettre moi faire pour l'autre tout, mm-hmm. tout simplement. Mais ça semble un message de bail dans en cérémonie pour prince c'est à la grâce et Alta grâce oui tu as fait d'appeler Alta grâce c'était, c'était sous l'amour oui. Sous oui parce que mm-hmm. et une fois qu'on découvre bon Dieu aimé la voix a changé mm-hmm. la voix a changé donc on voit puis gros problème là c'est le ou à vivre en situation sans tout pour contre tout mm-hmm. et laisse au cas replier sur vous-même et ou pas accepter pièce d'autre monde
on ne guérit pas quelqu'un qui ne se reconnaît pas malade. Yeah. Tout simplement. Donc, vous pensez ça va fidèle catholique suffisamment les outils pour argument pour peut-être pour faire bataille peut-être c'est pas bon mot à bataille oui mais bataille ou ka, oui faut dire bataille là parce que regardez thème nous prend pourtant carrément et ça on ça le dit j'ai nous fixé sur Christ là en bataille contre péché dans la vie faut parler nous de carrément ah ben justement c'est tant carême dans son temps spécial lié dans l'église là on est son temps fort de pénitence, de conversion, de conscientisation. De, pour nous, par exemple, hier, dans le mercredi des cendres, pour que ça n'allait recevoir cendres là, c'est un geste d'humilité. Parce que le plus souvent, ça détruit notre orgueil. Là, nous pensons non ceci, non cela. Parce que les cendres, on reçoit les cendres pour dire qu'on est poussière, on va retourner en poussière, tout simplement. Pour que ça m'a proposé un plus important passo, alors que nous parlons le même côté. Donc, tant carrément, invitez-nous à reconnaître qui nous sommes devant Dieu et qui nous sommes aussi devant et avec les autres. Et à partir de là, pour nous qui j'en qu'à avancer ensemble. Si moi ma voix nous reconnaître nos parents, nos pécheurs, nous sommes même pied d'égalité. Quand pile bagaille nous qu'à faire ensemble. Donc j'ai nous fixé sur Christ là parce que nous pas qu'à bataille pour contre nous. En bataille en entrée dans bataille contre péché dans la vie. Donc péché aller dans toute dimension. Un péché personnel, péché communautaire, péché structurel, péché contre l'environnement, et je dis à nous péché en pile n'importe de péché contre l'histoire ça. Donc ça veut dire l'environnement sera très présent et... Oui, c'est ça que fait nous compter, faire un chemin quoi, le vendredi saint, sur l'environnement. Ah, oui. Spécialement sur l'environnement. Oui, pour nous, un chemin quoi spécial qui pourra le prendre et presque, en fait, côté nous pourra l'entrer tout et quartier qui défavorisé qui dans mauvaise condition environnement. Nous grand paquet de quartier dans fort de paix qui dans mauvaise condition environnement. Dans parlant dans couyout dans cassave et délégué dans délégué des mélis et l'autre bord canal sous canal et dans des types de paix des l'étang de la belle place paquet non, dans mauvaise situation. Et situation. Par contre, si vous entrez, M. De Villas, pour qui promiscuité, vous avez vivre. Mal ou moun qui malade dans la zone ça. Je contact direct. Si vous avez une zone dans la cité Maxo, c'est de l'eau, vous faites route avec bloc en dans la caillou. Et puis, et puis en bas, c'est de l'eau, et puis en l'air jusqu'à coucher. C'est détrier femme. Ouais. Zétrier femme. Et Zétrier femme, qui est cité Limosa, tout. Mais, bon, je profite de retourner sur la question ça, avec vous, Monseigneur. Il y a de l'école, on connaît, qui peut-être qu'a qu'aimé tête, tu as envie, dans toute diocèse là, mais il y a l'autre tout, Mabgade, qui n'est pas capable de témoigner, visiter quelqu'un, mal dans l'école, amour en action, c'est avec vous. Comment nous faire pour nous aider, pour nous aider, pour nous aider? Oh, c'est des mondes déshérités qui sont dans le quartier populaire. Donc, comment nous faire pour quand même qu'aimer, yo là quand même? Ben, bien content, monsieur De Villas, au aspect ça, c'est parce que, où est-ce que tu es arrivé en septembre 2022 dans Caritas? C'est comme si vous êtes capable de prendre service et puis de venir bon chagrin. Nous avons aidé encore, nous avons fait effort avec vous, mais c'est vous-même qui ne comprenez pas. Alors ce que ce n'est pas pour vous lier, c'est pour vous lier. Vous avez fait effort. Ah ben c'est tout. Ouais, je veux dire, là, nous bloquer. Nous n'avons pas eu de question d'insécurité qui a un impact sur le département. Je veux dire, avec Caritas, ce qu'on fait tirer fort avec mon yo, mais qui machine qui est rentré, qui a bien fait tirer fort ça. Ouais, c'est nous sommes tous encerclés, nous tous dans la même loi. C'est nous pour sortir là. C'est nous pour faire tirer fort pour sortir là. Donc, ça. Bon, je pense que nous avons un prêtre très certainement qui prend le temps d'émission. Et puis, nous connaissons pas tout le temps à directement avec eux parfois ou bien des rencontres. Nous avons des rencontres en presbytérium et puis des rencontres personnelles, des rencontres aussi en commission, tu vois. Donc
nous nous faisons parler de temps en temps, mais nous avons un groupe WhatsApp ensemble, donc nous faisons communication ensemble. Ça, ça va. Mais Monseigneur Ba, est-ce que vous avez constitué des données sous diocèse et port de paix, bien globalement, est-ce que vous avez des données qui là, qui chiffrées, qui nous gagnent sous diocèse là en termes de statistiques? Bon, données que vous avez, qu'on aime, non diocèse qui gagne 1 million habitants. Et dans 1 million habitants, on nous dit nous gagne moitié, un peu plus, de moitié catholique, on va pas l'exagérer. À peu près 500 000 catholiques. Et pour 500 000 catholiques, nous pas qu'on gagne 100 pères, mais on a des définition. Ah. À peine si nous gagne 80 pères. Non, mais dis-moi, qui j'en a fait pour que challenge ça, pour que. Eh bien, Jésus m'a dit pour la prière, pour une vocation, mais ce n'est pas évident. Et la réalité du César n'est pas facile. Et je suis venu avec, je suis venu du César 40 paroisses. Il y a la 46, je m'ajoute 6 nouvelles paroisses. Et bientôt, je suis 7e, parce que nous ajoutons 4e sous la tortue. La tortue. Donc, mission pas facile, la moisson est abondante, mais non pas grand pile monde. Donc, nouvelle pas parce que Aubert fait partie. Aubert, gen Aubert, gen Guichat, gen Bord de Mer, gen Champagne, gen Guinodé, et puis gen Raymond Beauchamp. Nous fait le fond seul. Parce que l'on passe dans Beauchamp, ou en zone comme ça, pas ta carité tout le temps en chapelle. Ou un pastoral qui est relativement jeune, par contre, si je me trompe. Et on nous dit, nous avons un clergé très jeune. Très jeune. Et c'est notre chance. Avantage c'est notre ou richesse. Inconvénient? Parce que l'expérience. C'est notre richesse. Moi, je prends comme mon richesse. Parce que vous avez un jeune avoir, vous avez un pile possibilité. Même si vous n'avez pas de moyens, vous avez une possibilité pour jeune moyen. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, là où il y a la volonté, un chemin se crée. Et là, un jeune arrive en côté, il a une vision, il a un désir, un engouement. Que on moun ki te nan 50 60 ans pa gagne, vous comprenez? Donc ça fait que ou ka avancer. Donc avancer. Non ka avancer, mais mon seigneur va me passer te poser toutes questions yo parce que me passer te non te rivé parler toute bagaille. Donc et qui pour on penser nous ta doué, nous gagne 4 minutes qui séparer nous de la fin et peut-être qui va penser nous ta doué mentionner qui ne pas mentionner, peut-être nous pas trop arrêter sur comité ça qui est vraiment important, mais peut-être si nous avons un document avant nous sommes capables. Oui, alors ça me pense et que m'a fait comme on annonce. Oui. Il pas co-officiel mais me pense me faire petit parler de ça. Oui. C'est initiative que la commission ça veut prendre. Nous voulons faire une marche et le 1er mai pour la protection de l'environnement. Pour, c'est dans le domaine de conscientisation, interpellation. Et pour permettre que, pour un monde pas venir dire, Monseigneur, ou après fini par accepter le consacre. Moi, je veux mon porte de paix sortir, fini par accepter le consacre pour nous réveiller. Nous avons besoin de réveiller ça. Donc, il fait catholiques, protestants, nous voulons mettre nous ensemble, avec la société civile aussi. Nous faisons marche pour 1er mai et aller vers Trois-Rivières. Et dans l'entrée, et puis si, comme c'est fait de l'agriculture, nous arrivons à planter un pied-bois ensemble comme symbole qui montre que nous ne voulons pas s'arrêter comme ça. Et puis pour qu'il y ait un avancé, ben, je dois contacter aussi la mairie pour demander autorisation pour nous planter pied-bois. Donc au fur et à mesure, nous au courant, mais l'objectif là, c'est qui y ait sorti dans la situation ça. Pour ne pas arrêter dans ça, c'est comme ça pour me prendre. Je n'est pas capable. Donc, parler si ça catrice parler était sur lui parce que moi faut dire moi porte pâtisserie mami m'a fermé. Non, il pas fermé. Hein? Il pas fermé parce que eh ben ou quoi problème c'est tout côté problème Biden. Donc il prend mon ont gagné ressources ont gagné qui t'a travail qui a payé d'eau et puis dit bon on a voilà c'est il pas fermé mais c'est n'a pas reformé pour nous même l'autre monde qui va avancer avec nous, mais c'est pas évident. Ouais, c'est pas c'est tout côté qui a suivi le problème ça. Donc qui te félicite, monde qui beaucoup visité et mamie m'a son espace m'passé m'pas qu'on visiter avant parler avec Jules m'passé c'est on miracle qui fait tendance parce que Jean l'aménager soit garder dehors
mais l'on rentre dedans son bagage qui m'invite moi même passer du temps toujours qu'on passer soir fond du temps on belle espace et bientôt n'a fait pour que les cas reprennent gens qu'on reprenne non c'est parce que le problème de personnel là fait que il était en train de baisser mais n'ont pas laissé reprendre l'activité en lien avec la médiathèque aussi pour permettre que un monde qui voulait faire par exemple ou vienne faire on activité culturelle en médiathèque là mais après qu'elle manger dans mamima pour prendre un chita ou ça fait déjà au cas font réception au cas font même gain possibilité pour même font un mariage même mais ça dépend de nombre de monde qui a là donc grand pile vision et c'est au fur et à mesure on parle doucement quittez bon Dieu faire ça oui donc merci beaucoup monseigneur Batelis et bon grand impressionnant tête même barre finir son notrice est-ce que problème mon forte diocésain pour l'école CNDL est-ce qu'il s'en s'est résoudre eh ben ou t'attendais pas les bruits déjà ou t'attendais bruit solide déjà c'est que nous tout en fonctionnons ensemble hein oh. Parce que moi vini là et pas dans clivage je suis un rassembleur donc ni moi mon fortin ni diocésain tout gain place ensemble et même dans staff qui puis prenant gain ni religieux ni diocésain là dans tout donc dem te bay preuve là dans pile dans ordination parce que toujours mandé gon évêque là accompagné de deux prêtres donc comme message de voyer c'était ça m'te prend un prêtre diocésain un prêtre mon fortin. Wow. C'est message ça me débaille. Dès le départ. Oui, c'était message ça me débaille. Jusqu'à présent, on a continué. Mm-hmm. Donc, merci, Monseigneur Batelis. C'est un plaisir pour moi, Monsieur De Villas. C'est merci à nous tous qui t'a écouté tout. Et demandez-nous, tout le monde qui a écouté mieux, la prière pour moi parce que ta chapa facile. J'ai besoin de ça. Et même Jean-Noël, j'aime tout, la prière pour nous. Et puis, on fait son ensemble, nous tous, l'État, l'Église, société civile, pour nous changer, figure de paix. Donc, merci. Monseigneur Batelis, c'est 6e évêque diocèse Bordeaux-Paix. Donc, mon diocèse qui vient de plus de 160 ans. Donc, nous connaissons responsabilité au Babiti, héritage dans lui-même de l'eau. Donc, nous sommes contents de la chaise pour vous. Merci parce que vous êtes d'accord, sacrifier du temps pour faire petit parler ça avec nous, Monseigneur Batelis. À la plus prochaine. Merci, à la prochaine. Merci, Abby. Merci beaucoup. Merci tout le monde. What?